Salut, si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu aimes chanter ou tu aimes la musique en général. Et tu sais, je t'ai déjà parlé de l'importance du groupe, de la force là, du collectif. Et je voudrais te reparler de ça, surtout si tu es un peu isolé. C'est-à-dire que si tu habites par exemple, je sais pas moi, dans la montagne, voilà, et c'est des petits villages et il n'y a pas forcément une communauté de musiciens proche de chez toi. Tu habites peut-être voilà, à la campagne, tu es un petit peu isolé et du coup voilà, tu n'as pas forcément d'autres personnes qui ont la même passion que toi et même au sein de ta famille ou de ton groupe d'amis. Peut-être que voilà, tes amis, c'est peut-être pas leur trip. Toi, tu aimes chanter, tu as des rêves, tu as envie de spectacle, tu as envie de monter sur scène, tu as envie de te faire plaisir avec ta voix. Et voilà, tes potes, c'est peut-être pas leur truc. Et c'est peut-être aussi le cas dans ta famille. Voilà, peut-être que ton conjoint, ta conjointe, eux, ils sont un peu plus terre à terre, je sais pas. Voilà, la musique, ils trouvent ça sympa, mais c'est pas forcément non plus quelque chose qu'ils vont porter. Et du coup, dans ce cas-là, tu peux te retrouver un petit peu isolé. Et c'est vraiment important, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la force du groupe, c'est vraiment important de te trouver un point d'attache, en fait, de pouvoir rejoindre une communauté pour te motiver, si tu veux. Et moi, c'est pour ça, si tu veux, que j'ai rejoint une communauté, que j'ai créé, pardon, une communauté de chanteurs, chanteuses, de chanteurs. C'est parce que y a vraiment un auto-entraînement. Et il y a là-dessus, si tu veux, une loi de statistique qui joue, qui est formidable. C'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes tellement de personnes sur Terre que statistiquement, il y a forcément des choses que tu vis toi, des choses qui t'arrivent toi, des problématiques que tu as toi quand tu chantes, qu'une autre personne a déjà pu avoir. C'est obligé en fait, si tu veux. Compte tenu du nombre de personnes que nous sommes. Alors bien sûr, en francophonie, ça réduit du coup un petit peu les statistiques, mais malgré tout. Et si tu rejoins, en rejoignant une communauté de chanteuses et de chanteurs comme j'ai pu créer, et après il y en a peut-être d'autres, hein, ça je ne sais pas, à toi de voir, mais en rejoignant comme ça une communauté de personnes qui ont la même passion que toi, forcément que… quand tu vas, je sais pas moi, te plaindre de quelque chose ou chercher une solution sur une problématique que tu as, je sais pas, trouver des chansons, de savoir comment bosser avec des musiciens, forcément, si tu demandes ça, voilà, à ton cousin, à tes amis qui n'en ont, enfin, qui s'en foutent complètement de la musique, ils vont dire, mais c'est bon, arrête, enfin, laisse-nous tranquille avec ta problématique de ouais, mais je trouve pas un musicien pour m'accompagner, tout ça, on n'en a rien à faire. Par contre, si tu fais partie d'une communauté de chanteuses et de chanteurs, eux, ils vont forcément statistiquement beaucoup plus comprendre tes problématiques. Et les réponses qu'ils vont te faire, elles ne seront pas des réponses d'éviction, des réponses de ben, allez, dégage avec tes problèmes, on n'en a rien à faire. Ils vont avoir cette compréhension, si tu veux, que bah oui, effectivement, si tu cherches un guitariste pour t'accompagner, ça pourrait être cool et qu'eux-mêmes ont peut-être déjà eu cette problématique. Et ça, c'est la deuxième règle statistique, c'est que forcément, si tu t'adresses à des chanteuses et des chanteurs, statistiquement, il y en aura forcément au sein d'un groupe, il y en aura forcément qui auront eu exactement la même problématique que toi. Pas juste qu'ils vont comprendre en fait quelle est ta difficulté du moment, mais qui vont avoir eu la même problématique. Et c'est ça qui est génial dans une communauté comme ça. Moi, je suis vraiment très très fier d'avoir créé ce club de chanteurs, cette communauté, parce qu'aujourd'hui, il y a des chanteuses et des chanteurs qui sont au Canada, il y en a qui sont au Québec, il y en a qui sont en Suède, en Allemagne, en Angleterre, en France. Je sais voilà, qu'il y a des gens qui suivent depuis le Sénégal, Madagascar également, bien sûr plein d'autres endroits, mais dans la communauté, voilà, ce sont des membres actifs et on partage, on partage, on partage. On partage du répertoire, donc on découvre une musique qu'on ne connaît pas forcément. Il y a par exemple des chants traditionnels québécois qui sont très sympas. On découvre ça et en même temps, malgré cette multiculturalité, ça existe ça? Non, c'est un peu idiot comme mot. Avec cette diversité, si tu veux, musicale, eh bien, les problématiques restent tout de même les mêmes.
C'est-à-dire que voilà, il y a toujours un problème de son, la peur de chanter, oser s'exposer, oser présenter ses propres compositions, qu'on écrive en anglais ou en français, ça revient quand même à la difficulté de se livrer et d'oser proposer ce qu'on fait. Voilà, faire écouter sa voix aux autres pour une première fois, et ça c'est génial au sein de ce club, de cette communauté, c'est que tu as la possibilité de faire écouter au groupe, aux autres membres du groupe, ce que tu fais. Et tu te rends bien compte que c'est quand même beaucoup plus facile, c'est quand même beaucoup moins risqué de présenter ça à des chanteuses et des chanteurs qui eux-mêmes ont cette même crainte de, voilà, de faire écouter aux autres ce qu'ils font. Donc c'est une communauté qui sera beaucoup plus compréhensive plutôt que de balancer ça direct sur Internet et où tu peux te faire défoncer par n'importe qui, des gens qui connaissent rien à la musique mais qui vont te défoncer pour le plaisir, tu vois. Alors que quand tu es dans une voilà, quand tu es au sein d'une communauté qui chante comme toi, qui a ces mêmes problématiques et qui a ces mêmes craintes, finalement tu partages, eh ben, tu vas partager les mêmes craintes, mais tu vas partager aussi les mêmes bénéfices. Et il va y avoir un auto-entraînement où les gens vont pas te juger en disant « Ah, c'est naze ce que tu fais », ils vont dire « Ah, mais c'est génial, lui il a osé, elle a osé poster sa vidéo au sein du groupe, elle a osé nous la faire écouter et on va pouvoir lui faire un retour et on va te faire un retour », tu vois. Moi-même, je te fais un retour personnalisé quand tu fais partie du club. Mais toute la communauté, si tu veux, va pouvoir te donner son avis et un avis de personnes qui partagent la même passion que toi, un avis de personnes qui a peut-être rencontré les mêmes problématiques que toi, qui a eu les mêmes craintes que toi. Et ça, eh ben forcément, voilà, ça n'a pas de prix parce que faire partie comme ça de ce type de communauté, c'est vraiment une richesse incroyable. Voilà ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Si ça t'intéresse, si tu es intéressé toi par rejoindre une communauté comme ça, je te mets un lien dans la description, tu pourras aller regarder, d'accord, te renseigner. Mais vraiment, il faut que tu aies ça à l'esprit que tu sais, Internet, c'est un peu la jungle et c'est pas du tout pareil de t'adresser à une communauté qui te comprend, qui chante aussi, qui aime la musique. Plutôt que de, voilà, de parler ça à ton voisin, à ta voisine qui eux préfèrent peut-être le foot et tes problèmes de chanteuse, de chanteur, ils n'en ont rien à faire. Voilà, je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao!